Wesh les gars, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Bon, on va parler de rap français parce que là en ce moment c'est chaud dans le rap français. J'ai vu récemment Booba, Damso, tout ça c'est chaud. Là maintenant, Booba, Kaaris, il y a un AV1 qui se prépare. Et vas-y, on va parler de ça les gars. Donc c'est Booba qui est passé à l'attaque, c'est Booba qui a proposé ce 1v1 à Kaaris et je vais vous dire ce qu'il a dit sur son post Instagram. Je suis prêt à le prendre sur un ring en boxe thaï ou boxe anglaise en 10 rounds. Gants de boxe ou de MMA au choix. Je suis sûr qu'on peut remplir Bercy les doigts dans le nez. On pourrait reverser les fonds à une association à définir et aussi reverser une partie à Armand pour qu'il puisse payer son amende de 50 000 euros puisque son nouvel album ne vendra pas grand chose vu son niveau actuel. Eh Booba, c'est vraiment un gamin. Je suis très sérieux. 2 mois de préparation et on y va. Fan de Kaaris, faites-lui passer le message et écrivez-lui sur sa page. Il est temps d'enterrer la hache de guerre. Donc là, il a tagué le Insta de Kaaris. Le choix est entre tes mains. Je nomme Grégory Champion Spirit pour faire ma prépa. Déchaînons les enfers. Orly Bercy, Sparta 92i. Fouh! Donc là, c'est Booba qui lance les hostilités. Et Kaaris a répondu, les gars, je vais vous dire ce qu'il a dit. Booba, tu fais quoi? Tu attends une éjac faciale pour les fêtes de fin d'année? Ah là là, putain. Je te propose un octogone sans arbitre, sans règles, je te brise les os. Le dopage sera interdit, bien évidemment. Et viens pas à 12 cette fois, sans Jackie Chan et les mecs d'Euro Disney. Et quand il dit, et viens pas à 12, il fait référence quand ils se sont tapés à Orly et que l'équipe à Booba, voilà, ils étaient plusieurs et tout. Si tu as un perroquet sur l'épaule et que tu crois que tu es un pirate, transmets le message à Titia, a.k.a. Booba Team Joseph. Que Kaaris a proposé un octogone, c'est un combat qui est sans règles, ni arbitres, mais à ce qui paraît, c'est un truc illégal en France. Et Booba a encore répondu à la réponse de Kaaris. Il a dit, j'accepte volontiers, maintenant on attend tous le lieu et on va fixer la date. Donc, il a accepté le défi de Kaaris. L'octogone et tout. Pirate ne parle jamais pour rien. Octogone, quatrogone, tamérogone. Tout ce que tu veux avec plaisir. T'as tellement cavalé à Orly, je suis frustré. Et tes grands décevants t'ont proposé un tête à l'époque de ta vidéo que tu as gentiment refusé. Hein? Vamonos. Tic tac, tic tac, on attend. Et joyeux Noël à tous. Là 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 là, est-ce qu'il y a un avion qui se prépare? Et moi je suis prêt à payer pour voir ça les gars. Je sais pas pour vous, mais Booba, Kaaris, en avion sur un ring. Damn! Moi je suis prêt à voir ça. Hein. Que ce soit streaming ou payer une place à Bercy, moi je suis prêt. Bon, dites-moi dans les commentaires là, vous pensez qui va gagner? Booba ou Kaaris? Sachant que les deux sont balèzes, sachant que les deux font du sport et tout, donc ça peut être tiré. Comme il dit, Booba, c'est le seul moyen d'enterrer la hache de guerre. Donc, il faut que ça se fasse. Hein. En tout cas, je sens que le gagnant, que ce soit Kaaris ou Booba, va se vanter pendant très, 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 très longtemps. Donc, je pense qu'ils vont vraiment se donner à fond parce que là, c'est le perdant, il va se faire tailler de partout, hein. Que ce soit sur Instagram, Twitter, concert, enfin bref, partout. Donc, ils vont se donner à fond, j'espère. Bref, les gars, dites-moi vos pronostics. Moi, franchement, je pourrais pas vous dire. Bref, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Ça fait plaisir qu'il y ait un petit peu d'ambiance, on va dire, dans le rap français, tu vois. Je voulais faire aussi une vidéo sur Damso et Booba, mais bon, je l'ai pas fait. Mais bon, là, je voulais la faire pour Booba et Kaaris. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est une bonne idée, qui va gagner. Et puis voilà les gars, et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et je vous le redis, bonne fête à tous. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call the Velcro. Till I need my dinner, open the hoop. Hit my metro, if it's about the pencil, like it's go Diego. Make it right, don't schedule. Got the pistol on me with the dickest endo. Bitches in the back, just like a fucking echo. Ayy, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.